Hello les amis, balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quel message l'univers et les guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 juin au 15 juillet 2024. Alors bien sûr, ces messages peuvent d'ores et déjà parler à certains balances et parler plus tard à d'autres en juillet, voire au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous hein, de la même façon ou pas parler du tout à certains d'ailleurs. Donc vous ne prenez avec discernement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments de messages et avoir un message un peu plus personnalisé. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous proposer un tirage avec l'oracle de la musique, là, un oracle que j'ai créé en compagnie d'Irtis, une illustratrice qui a réalisé le tarot d'Irtis qui est juste ici. Il est disponible à la vente depuis le 11 juin. N'hésitez pas à le découvrir. Je vais déjà vous proposer quelques cartes et pourquoi pas à l'acquérir si vous appréciez mon travail sur la chaîne et mon travail de créateur. Je vous en remercie. Allez, on y va avec le message de vos guides et de l'univers. Pour vous, les amis, balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Le soleil qui apparaît inversé. Alors, avec le soleil inversé, on parle d'incompréhension ou alors on n'a pas tous les éléments d'une situation. Peut-être que finalement, on essaye de vous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait harmonisé. On est un peu aveugle à certaines circonstances, certains événements ou certains agissements de personnes autour de nous. Ici, avec le soleil, on est dans la lumière, mais la lumière trop forte. Hein. Soit on croit que tout ce qui brille est fait d'or, soit on est manipulé par nos yeux sont manipulés, on nous montre quelque chose qui n'est pas une réalité. En tout cas, il y a quand même le retard de l'harmonisation avec cette énergie du soleil quand elle apparaît inversée. On vous invite donc à être beaucoup plus dans le discernement, de ne pas être trop ébloui finalement et de ne pas vivre un peu trop dans l'illusion ou alors d'être trop susceptible hein, parce que ici on nous parle d'un rayonnement qui n'est pas le bon rayonnement et qui ne permet pas une certaine forme d'harmonisation. En dos de deck, nous avons la tempérance. Donc, on nous dit ici peut-être de nous adapter différemment à certaines choses et à chercher un point d'accord, à guérir une situation que l'on n'a peut-être pas comprise. Alors, tempérance, c'est le retour parfois de quelque chose hein, et d'essayer de trouver la paix, le pardon, de s'adapter aux nouvelles circonstances. Ici, on a peut-être du mal à s'adapter à des circonstances qu'on ne comprend pas ou qu'on fait semblant de ne pas voir, ou l'agissement de personnes qui ne font pas ce qu'elles sont censées faire, pourquoi pas. Hein. Tempérance, on nous dit qu'il faut arranger les choses et trouver une manière, justement, une méthode, un compromis pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Voilà le premier message que je ressens ici avec le soleil inversé. On va regarder sur quelle vibration vous êtes dans l'oracle de la musique. Il y a les 7 notes de musique qui sont associées aux différents chakras, hein, comme le faisaient les sons sacrés, hein, le solfège sacré. Donc vous êtes sur la résonance de la note La, le chakra du troisième œil. Le troisième œil avec le soleil, hein, il y a une certaine forme de cohérence parce que finalement, quand on a le troisième œil un peu trop ébloui, on manque peut-être de discernement dans une situation ou alors on manque de clarté, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qu'on devrait voir. On se sent peut-être bloqué par des situations, en tout cas du quotidien, parce qu'on n'arrive pas à voir au-delà des problèmes. On est trop dans les pensées et pas assez peut-être finalement dans l'observation. On est peu dans le concret et on regarde un petit peu ce qu'on a envie de regarder, c'est-à-dire nos rêves, nos illusions ou quelque chose comme ça.
Cette carte, elle nous parle aussi d'incapacité pour certains de poser certaines limites et d'accepter finalement certains mensonges, pourquoi pas. Hein. Donc, se laisser influencer par quelqu'un qui nous dit que tout se passe bien ou quelque chose comme ça. Pour cette énergie qui me semble un peu déséquilibrée ici avec le soleil inversé, on nous dit que vous auriez tout à gagner à être beaucoup plus dans la sagesse, dans le discernement et à écouter certaines de vos intuitions, puisque le chakra du troisième œil nous relie à notre intuition, à cette sorte de visibilité invisible, j'ai envie de dire, puisqu'on ne parle pas de la visibilité de voir quelque chose concrètement, mais de le ressentir au plus profond de soi-même. Voilà. Et donc, pour être clair avec soi-même, il suffit aussi d'être plus dans la visibilité de nos idéaux, de bien se concentrer sur ce que l'on désire, sur ce qui est important à nos yeux. Hein. Donc, de revoir sa capacité d'analyse et de synthèse, de se faire confiance et de faire confiance en l'avenir, mais de ne pas se mentir, de refuser d'avoir le mensonge comme ligne de mire. Voilà comment résonne cette énergie du là, donc qui nous parle d'être bien connecté à son âme, de faire confiance en son intuition, justement. Si vous vous sentez déséquilibré par rapport à ces notions, hein, avec les soins musicaux que je prodigue dans l'oracle de la musique, hein, dans le livret, je vous invite à vous connecter par exemple avec un bol chantant si vous en possédez un, c'est surtout s'il a la fréquence 852, puisque 852 Hz, puisque chaque bol a une résonance tout à fait particulière, une fréquence différente. On vous dit aussi, par exemple, d'écouter des bruits que l'on appelle des bruits blancs, des sons sans variation tonale, c'est-à-dire qui augmentent votre concentration. Vous pouvez utiliser aussi tous les sons, écouter de la musique ou jouer des sons avec les flûtes piccolo, les clochettes par exemple, les boules chinoises et toutes les ambiances aériennes planantes, vous pourrez vous ouvrir le chakra du troisième œil et ouvrir cette compréhension dont vous avez besoin. Voilà pour le côté un peu rééquilibrage. On continue avec les messages de vos guides, hein, ici avec l'énergie du trac, une notion importante, hein, ici. On sent le besoin, entre guillemets, de se cacher ici. On voit ce personnage qui se cache derrière la roue du piano et on est obligé de regarder à la loupe pour bien le voir. Alors, est-ce qu'on parle d'une certaine forme de timidité? On n'a pas envie de chercher les problèmes, donc on ne les regarde pas ou peut-être une peur que ce que l'on va dire ou ce que l'on va faire pourrait provoquer. On perd un peu ses moyens peut-être, on a peut-être du mal à relativiser sur la situation et donc on se retrouve quelque chose face à quelque chose qu'on trouve insurmontable et on fait peut-être semblant de ne pas voir. Donc on vous invite ici, encore une fois, à ouvrir les yeux, à regarder parfaitement les blocages, les peurs que vous ressentez et à faire preuve de discernement. Vous êtes peut-être bloqué parce que vous n'osez pas intervenir ou vous n'osez pas vous exprimer peut-être, exprimer quelque chose. Il y a peut-être la nécessité aussi, au fond, d'écouter cette intuition et d'aller dans son sens. Voilà. Sauf qu'ici, il peut y avoir une certaine forme de peur, une certaine forme de peur de lâcher prise, parce que si vous lâchez prise, vous avez l'impression que tout pourrait changer et que vous pourriez perdre le contrôle, finalement, d'une situation dans laquelle vous vous trouvez. La deuxième énergie qui ressort, nous avons la clarinette. La clarinette nous parle de vos rapports à l'autre. On voit une fumée qui se divise en deux personnes. Ça nous parle du relationnel d'une façon générale. Alors, ça peut être sentimental, hein, puisque on parle d'une complicité, on parle d'une fréquentation, on parle d'une collaboration. Peu importe comment vous ressentez ici, soit c'est une énergie d'amour ou soit c'est une énergie de critique, en tout cas. La clarinette ici, peut-être que veut nous dire que vous donnez votre confiance à quelqu'un qui ne la mérite pas, ou vous devez en tout cas revoir ce lien
cette connivence que vous croyez être bonne. Mais pour moi, il y a peut-être quand même quelque chose à voir. Soit cette personne vous ment, soit vous refusez de voir la malhonnêteté. Il y a quelque chose qui peut tourner autour de la malhonnêteté. La clarinette, c'est aussi le soutien, l'aide. Donc, si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression d'être soutenu, que quelqu'un, un expert, un conseiller, peut-être que cette personne ne vous conseille pas correctement. Et il est question ici de revoir et d'avoir l'affirmation de dire ce qui ne vous convient pas et de dire ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, justement, pour recréer un lien de confiance et peut-être pour trouver des points d'accord, puisqu'ici, on parlait de tempérance. Vous n'osez peut-être pas trouver des compromis ou chercher de nouvelles méthodes, de revenir en arrière, d'être flexible. Peut-être que cette personne refuse d'être flexible de son côté et refuse de changer d'avis ou de façon de faire. Et vous n'osez pas lui remettre en question sa parole ou son positionnement. Voilà comment ce tirage me parle ici dans un premier temps, les amis Balance. On va regarder d'après vos guides et l'univers, hein, quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider, sur quoi vous pouvez vous appuyer par rapport à ce tirage. Je vous rappelle que vous trouverez dans la barre d'infos les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet, par exemple? Et je viens de poster très très récemment une guidance générale qui vous donne un petit peu les énergies qui vous accompagnent actuellement. Ok, n'hésitez pas à aller voir. Allez, on y va. Quelle est la bonne énergie, entre guillemets, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui vous aide ou qui peut vous aider, les amis Balance, d'après vos guides? Une meilleure gestion de vos émotions avec la vague. Hein. Ici, on sent sur cette carte cette flamme sur le bateau qui est en danger, entre guillemets, d'extinction à cause de vos émotions, à cause de votre gestion des émotions ici. Les émotions pourraient bien éteindre cette flamme. Votre façon de gérer vos émotions fait que, quelque part, vous mettez en danger quelque chose qui est important à vos yeux, cette flamme, quelque chose qui vous anime, un combat personnel, une passion qui vous anime. Et il est question ici d'être beaucoup plus dans le relâchement, justement. Hein. On voit ce personnage apaisé, essayer d'être apaisé. Donc, la meilleure gestion de vos problématiques ici, c'est aussi de lâcher un peu prise par rapport à ce qui se passe et de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus et prendre le contrôle. Il est question ici quand même de faire preuve de beaucoup plus de discernement, donc de capacité d'analyse et de synthèse, que d'être dans l'émotionnel. Hein. Quelle énergie, au contraire, vous freine, vous ralentit et déséquilibré et mériterait que vous travailliez dessus pour votre épanouissement? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler d'après vos guides? Le kitsune. Bon, ben voilà, on y est, hein, le mensonge. Le kitsune, c'est le farceur, c'est celui qui prend d'autres apparences et on a cette énergie lunaire un petit peu où des choses nous sont cachées. Il y a une notion de confiance et de ne pas vouloir voir certaines choses, de ne pas vouloir admettre certaines choses peut-être, hein, avec ce kitsune, cette énergie un petit peu de farce, de malhonnêteté, de mensonge, d'hypocrisie vous accompagne ici et il est question vraiment d'ouvrir les yeux et probablement que vous avez connaissance de cela, j'ai envie de dire. Mais vous n'osez pas par timidité, parce qu'il vous faut peut-être totalement revoir votre copie et que vous avez peur que quelque chose arrive dans ce lien, peur que ce lien se rompe et que vous soyez peut-être obligé de rechercher un autre soutien, une autre aide, dans un sentiment d'urgence, quelque chose. Ici, pourtant, on vous dit, défendez cette flamme. Si vous avez quelque chose dans votre ligne de mire, il faut le défendre absolument, surtout du mensonge, de la malhonnêteté ou de quelque chose qui pourrait vous faire perdre cette flamme. Avec le tarot d'Irtis, on va compléter ici avec une énergie qui va vous aider. Quelle est l'énergie qui va vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer?
sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir, pour vous sentir mieux. La reine de bâton, savoir ce que vous voulez. Défendre vos intérêts hein, aussi, hein, être au diapason avec ce que vous ressentez. On voit ici cette notion de diapason qui a illustré très justement Hirtis. Être au diapason de ses envies, de ses capacités, de ce que l'on veut. De cette motivation ici, hein, de ce que vous voulez réaliser et de ce que vous voulez attirer vers vous. Notamment la victoire, des réactions ou quelque chose comme ça. Donc c'est votre pouvoir créateur avec la reine de bâton. Vous pouvez créer vous-même en vous faisant confiance, entre guillemets, et en agissant dans le sens de vos projets à vous. Sans écouter peut-être certaines voix parasites hein, qui peuvent correspondre à ce qui tunait. Qu'est-ce qui vous freine, les amis Balance, qu'est-ce qui vous nuit même peut-être hein. Le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est celui qui se lance dans quelque chose de neuf, le changement concret. Ce qui vous fait peur, c'est d'avoir quelque chose à changer dans la démarche dans laquelle vous êtes actuellement. Le valet de Pentacle, vous avez peur d'une certaine forme d'inexpérience. Et si je prenais une décision qui allait à l'encontre de cette flamme que j'essaye de défendre. Donc ici, le côté, peut-être le fait de ne pas maîtriser certaines choses, vous fait peut-être un peu peur. C'est peut-être que vous vous reposez énormément sur le soutien, l'aide de quelqu'un, le conseil ou l'expertise de quelqu'un ici, hein. Ce valet de Pentacle refuse quelque part d'apprendre, d'apprendre les leçons. Il a des difficultés à apprendre la leçon de l'expérience qu'il est en train de vivre aussi. Donc il vous faut travailler aussi cette confiance, faire renaître une certaine forme de confiance en vous, hein, parce que le valet de Pentacle, c'est celui qui a confiance en lui concrètement, en sa vitalité, en son courage hein, aussi. Ok, alors, quels sont les conseils que veulent vous prodiguer les guides et l'univers ici avec ce tirage? Quels conseils souhaite-t-on vous transmettre, les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance? Bon, on a la carte de la cartomancienne, de l'oraclienne, celle qui voit l'avenir. On vous invite véritablement à écouter vos intuitions. Parce que finalement, votre intuition, elle vous donne les réponses sur l'avenir. C'est un peu comme si vous aviez la possibilité, grâce à vos intuitions, de voir l'avenir. Donc, si vous ressentez quelque chose, que vos intuitions vous disent « mais non, mais tu es en train de te planter », il serait temps de les écouter et peut-être d'accéder à une certaine forme de changement. Ici, il faut changer ses croyances qui nous mettent un peu dans le brouillard, hein, quelque part. Voilà, c'est l'énergie du Sagittaire, les croyances, Jupiter, améliorer, faire progresser, évoluer. Et le Poisson et Neptune, c'est nos rêves, c'est nos croyances, c'est notre capacité à vivre dans l'abstrait. Il faut être plus juste aussi, hein, la justice est représentée aussi dans le Sagittaire. Ici, on a Lion, Soleil, Gémeaux et Mercure. Il y a quelqu'un qui est sur la scène, c'est un comédien ici. Hein. Donc, on parle peut-être encore de ce côté un peu mensonger, c'est-à-dire on joue un rôle. Mais quel rôle jouez-vous, vous ? Peut-être que c'est à vous de monter sur la scène et de prendre la lumière, c'est-à-dire d'avoir la lumière sur vous. Ici, il y a une affirmation aussi hein, de soi. On parle de communication avec le Gémeaux et Mercure, et ici de compréhension et d'affirmation de soi. Il faut que vous preniez la scène plus que la personne qui est concernée par cette clarinette et ce qui tunait, si on parle bien d'une harmonie entre deux personnes. Ok, un troisième conseil. Cancer, Lune, Sagittaire et Jupiter. On parlait de changer des croyances ici. Il y a quelque chose qui doit évoluer dans nos ressentis, nos peurs. Hein. On doit faire évoluer ce qu'on ressent à l'intérieur. On doit utiliser ce que l'on ressent à l'intérieur
parce que ici, on est dans une zone très intime, l'intériorité, l'inconscient, et il faut le faire jaillir dans le conscient, le soleil ici, pour être plus juste. Voilà comment on exprime un peu cette idée avec cette carte. On termine avec deux cartes des portes de l'intuition des messages pour les balances. Nous avons ici le masque en montrant une fausse image de vous. Vous vous éloignez de votre véritable être. Alors c'est soit vous qui portez un masque en vous mentant à vous-même, soit on vous ment et c'est quelqu'un qui porte le masque. On retrouve cette énergie un peu d'illusion dont on parlait juste avant. Donc montrez-vous tel que vous êtes, affirmez vos désirs et affirmez qui vous êtes, ce que vous voulez. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Plus vous ressentez quelque chose, plus ça prend racine et ça prend de l'importance. Donc si vous croyez que vous êtes incapable de quelque chose, ça prend racine et vous êtes incapable de quelque chose. Donc plus vous êtes convaincu que vous allez perdre un procès, plus ça prend racine en vous et vous êtes déjà perdant, entre guillemets. Donc faites attention à vos ressentis, soyez à l'écoute et appliquez dans le concret les choses en adéquation avec ce que vous ressentez. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas, j'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Hein. Ça nous donnera une vision différente de cette lecture qui vous aura peut-être parlé différemment. En tout cas, ça sera intéressant de vous lire, les amis balance. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont si précieux, voire vitaux pour l'existence de la chaîne. J'invite toutes les personnes à laisser ne serait-ce qu'un like ou un coucou, un salut, histoire d'attirer l'attention de l'algorithme sur mon travail. J'aurai plaisir à vous retrouver très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis balance. Merci d'être là et à très, très bientôt. Ciao, ciao.